Bruxelles, j'ai 22 ans et donc je fais du bat depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années. Et donc voilà, je suis à l'INSEP depuis 7 ans. Voilà, quand je suis en équipe de France, dans le collectif, là, on est 6 simples hommes. Donc, voilà quoi. Je suis. Il y a Brice, Mathieu et Lucas devant moi, donc là je suis 4ème. Il me semble que je suis 4ème là en ce moment. Donc pareil qu'au classement mondial, je suis 4ème. Je suis 4ème français, donc je suis 80, il me semble que je suis 80, dans, entre 80 et 90 quoi. Je savais pas trop à quoi m'attendre, donc du coup j'avais pas trop de. J'avais plus pour objectif de jouer à relâcher sans stress, sans. Du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai vu que voilà, je tenais, je mène même, donc du coup j'ai commencé à y croire de plus en plus et puis je gagne le premier set à l'arrache, je gagne 21-19. Et donc le deuxième, je me suis dit, bah allez, c'est parti quoi, et du coup j'ai pas. Voilà, j'ai tenu et j'ai gagné 17 au deuxième. Donc ouais, super expérience quoi. Deuxième match, c'était contre un mec moins bien classé, un Danois, donc Lin Thompson. Donc, mais bon, quand même dans le top 80, je crois. Donc, bah, j'ai rarement battu des mecs de ce classement-là, donc c'est pareil. C'était, mais bon, fallait rééditer à 4h du matin. Quoi, donc, du coup, et puis, du coup, bah, je croyais plus en moi. Et puis, pareil, c'est passé en 2-7. C'est passé en 2-7 avec le public et tout. Là, c'était génial. Donc, ouais, c'était dire maintenant tout au long déjà de ce premier match bah, il disait vachement de fixer quoi, de pas donner l'attaque trop aux Thaïlandais parce qu'il y avait un gros match donc c'était un peu risqué de lever et bah, bien garder le filet quand même mais bon après si le mec était au filet de passer par dessus ce que j'ai pas trop fait d'ailleurs en ça qui était vachement au filet et moi du coup j'ai quand même voulu jouer et j'aurais peut-être dû passer par dessus quoi. Qu'est-ce qui s'est passé déjà sur le premier set et ensuite sur le second Bah c'est vrai que sur le premier set j'étais un peu impressionné. Enfin par rapport à la c'est vrai que la veille j'étais arrivé un peu les mains dans les poches, je savais pas trop à quoi m'attendre et du coup le lendemain bah, j'ai vu que le niveau était là donc j'ai commencé à un peu plus me prendre au sérieux et donc à plus croire à la victoire quoi. Et du coup le premier set bah, j'étais un peu crispé, J'étais un peu spectateur quoi, je le regardais un peu le jeu, j'avais l'impression. Et du coup bah, le premier set s'est pas bien passé quoi, je prends 21-9 donc assez sec quoi. Et donc par contre le deuxième set j'ai mieux, voilà, je me suis remis dedans en bonne condition. Je perds 24-22, je me suis 24-22 dans 31 mais j'ai 3 points de set. Ces deux services ratés. Bah surtout déçu d'avoir. Parce qu'en fait, je voulais servir long. Je me disais, voilà, serre long. Et puis au dernier moment, je me suis dit, j'ai pas eu le cran de servir long. Quoi. Donc du coup, je serre court et dans le filet. Quoi. Donc du coup, surtout déçu de pas avoir tenté, ça. Quoi. Après, voilà. Ça devait être une déception, mais je vais te rappeler. Bon, tu dis, c'est bon, j'ai quand même perdu. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que t'en veux toujours plus. Enfin, moi, j'en veux toujours plus. Donc, puis bon, voilà. Maintenant, par rapport à ces matchs-là, j'ai vu que. Enfin, je pouvais prétendre à passer des tours dans les tournois comme ça, donc c'est clair que c'est encourageant, mais c'est vrai que je reste un peu sur ma fin du troisième match. Maintenant, tu sais que tu peux, quoi. Ouais, maintenant, je sais que je peux, mais bon, après, le plus dur, c'est de le montrer, quoi. Enfin, de le faire, je veux dire. As-tu déjà fait d'autres tournois comme ça avant Non, jamais. Top 50, non, jamais. D'accord, c'est vraiment une première. Je pensais que tu avais genre sur un tournoi, peut-être sur un match, tu es victoire.
part. Bah, pas de top 50, non, pas de top 50 comme ça. Okay. Alors, du coup, de faire d'habitude, je fais souvent, j'arrive à faire un bon match, et puis après, derrière, le match d'après, je craque un peu. Bah, je suis moins régulier, et là, j'ai tout ça, les deux matchs des qualifs, bah ouais, j'ai été super régulier, donc je suis super content par rapport à ça. Et quels ont été les encouragements, enfin, je veux dire, comment t'as ressenti le public, la famille peut-être aussi? Ah bah ouais, mes parents étaient super contents, mes colocs aussi, puis le public avait l'air, enfin le public me soutenait, donc c'était vraiment incroyable quoi, c'était super. Pourquoi t'as été autant soutenu? Ah bah ouais. Ah bah là je peux dire là quand on me demande, des fois j'ai du mal à trouver mon meilleur souvenir de bad là, pour là ça va rester là pendant longtemps je pense. Ouais. C'est bon, mais si t'as des remerciements à faire à ma famille d'être venue me voir, à mes colocs et puis voilà, à tout le public quoi, c'était super sympa.